Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exibus et nous voilà en train de commenter Vietlord avec ses bas-fonds contre des Nindukes. Donc bon, compliqué hein, il y a quand même quelques tacles et quelques blocages, donc les gobelins ça n'aime pas trop ça. Il m'a demandé de le commenter, j'ai vu le résultat du match, donc on va voir comment ça va se passer. Alors, on a un petit Skaven avec blocage ici. L'esquive là et la griffe, alors ça c'est une technique que Vietlord m'a parlé. Ça permet d'aller chercher des esquives à deux plus dans les cages et avec le corne, ça permet d'aller chercher un point de force supplémentaire, donc d'avoir des blocs à 1D assez facilement au milieu des cages. Donc là c'est parti, l'engagement. Ça va bâcher sur la ligne d'avant. On n'a pas fait le point sur toutes les compétences. Alors là ça joue la balle facilement, ici ça se déplace rapidement. Bon ça c'est un bon porteur de balle ou quelqu'un qui peut la réceptionner loin pour les passes. Lutte, très intéressant. La répulsion pour le gobelin. Ça c'est les gobelins qui servent sur la los. C'est le gobelin qui peut absorber 2-3 blocs si jamais ça tique. Et en face. Le troll avec le blocage et la griffe. Griffe troll, griffe châtaigne. Ouh, t'as eu un sale passage au niveau sur lui là pour avoir le blocage. Je pense que là les mecs ils doivent un peu serrer les fesses quand ils voient ça. Hein. Ok, c'est parti. Donc ça va bâcher. Il a rapproché du porteur de balle. Il reste en place. Il va aller chercher le bloc à 3D. Il va rester immobile, ça c'est pas grave. Alors, placement adverse quand même rigolo. Il laisse des hobgoblins disponibles. Bon, il n'arrive pas à trouver la chute. Donc il n'y aura pas de test d'armure. Il vient protéger son agilité. Non, il protège pas son agilité. Il va aller directement chercher la mise en danger pour l'adversaire. Ramassage. Il tente la petite passe. Ok, le bras supplémentaire qui... Ça passe ? Ok, c'est pour le petit passage au niveau sur le gobos. Ok, il vient verrouiller la défense. Il se met ici. Donc là il va pouvoir tenter des passes assez intéressantes avec son scaven. À partir du moment où il y a la précision sur les lanceurs, on peut se la jouer un peu à la elf. Moi je peux le voir hein, sur les matchs de la Majestic que j'ai pu faire avec mes elf. Même naturellement, tenter une bombe c'est du 5+, c'est pas non plus déconnant. Donc là il vient marquer en masse. Le petit blitz, ouais, donc forcément il va chercher le corne double tête, ça c'est normal. Il investit beaucoup de ressources à gauche du terrain quand même. Hein. Faut pas oublier que lui il a 8 de mouvement. Bah, ok, il fait semblant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça gênera rien du tout. Et il peut venir les marquer. Donc là il vient marquer, c'est cool. Moi ouais, je mettrais le gobelin dans les pattes de. Juste de lui. Un pour un je ferai. Ok. Ah, il va chercher le bloc sur le hobgoblin, c'est bien. De toute façon c'est la stratégie face aux nains du chaos. Vous leur attrapez tous les hobgoblins. Et vous les défoncez. Il tente son esquive. Oui remarque, c'est moins risqué comme GD. Ils sont en position de marquer. Il vient placer sa défense, prêt pour un lancer de gobelin s'il le faut. La petite passounette. La transmission même. Oui c'est vrai, pas besoin de prendre de risque. Ah non, il a fait une passe. C'était une passe. Ouais, ça joue vite. Hein. Sachant que là il va être obligé de s'occuper de lui. Oh, c'était un peu la gridance. Ce GFI là, je pense pas qu'il a apporté grand chose. Le fait de gagner cette case. Ah, remarque, attends, vas-y, fais voir. On peut pas. Ok, il tente de refaire une confrontation après. Oh, par contre, c'est un peu. C'est un peu cher payé là hein, pour une esquive loupée. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc il ne peut que marquer avec cela. Aller chercher avec lui, peut-être avec des GFI.
Ok, non, il se concentre sur le scav. Ça touchera malheureusement pour... Oh, c'est Xebus. Xebus. Oh putain, j'ai eu le point d'agilité, le blocage. Merci Vietlord. J'espère que c'est moi, ça se trouve c'est pas moi. Et ça me ferait barrer. Un Skaven qui zozote. C'est classe. Alors là, les GFI pour le marquer, je pense que ça vaut le coup. Ok, donc il est marqué, il aura une esquive à tenter quand même. J'ai pas vu, mais il y avait le petit... Ok, le petit boulot a tout pris, choper le gobelin. Putain, et relancer sur une répulsion, ça aussi c'est risqué. J'ai pas vu, mais il a un sorcier. Donc là, il vient en soutien, comme ça, si jamais ça foire, il peut faire quelque chose. Le petit bloc à 3D qui va arriver. Oh, le gros débile qui tique au bon moment. Ah, ça, ça fait plaisir. Hein. On coupe les supports, on a du bloc à 1D. On a même du bloc à 2D. Nice. Bon, dommage, ça sera pas une armure. Tu blitz ici. Ok, tu blitz ici. Oui, ça revient au même que faire la... Oh merde. Ah, ça c'est pas de bol. Ça revient à faire au même que tenter l'esquive. De toute façon, il aurait échoué l'esquive aussi. Tu blitz ici. Tu l'as viré, il restait lui. Ouais, non, c'était une bonne idée. Il va venir couper les supports, il va pouvoir aller chercher du bloc A2D sur les gobos. C'est ce que lui doit faire, il doit essayer de virer les joueurs adverses. Donc les 3 quarts Skaven ont de la compétence. Mais bon, et les gobelins aussi en ont. Je sais pas combien t'as de TV, mais tu dois en avoir un bon petit paquet quand même. Hein. Parce que t'as quand même quelques passages de niveau. Ok, le blitzer qui va rester debout. Nikos qui résiste. Tufgus qui reste debout. Ça c'est chanceux. Hein. Des blocs A2D de nains sur des gobelins. Rester debout, c'est chanceux. Parce que la personne a quand même une chance sur deux de te faire tomber. Et qu'une chance sur trois de te repousser. Oh bon. Le ramassage. Oh, c'est un succès. Bon, bah maintenant ça va devenir tout de suite beaucoup plus compliqué. Il va falloir aller le chercher celui-là. Et il vient se mettre au chaud, forcément. Alors qu'est-ce que tu vas décider d'aborder? Moi je ferai ça comment? T'as coupé les supports. T'as eu l'esquive. 1, 2, 3, 4. T'as pas d'esquive, t'as un bloc à 1D, tu le ramènes ici. Ou alors, tu fais une esquive, tu mets le support. Et là, t'as un bloc à 2D sur son porteur de balle, tu projetterais la balle par ici. Là, t'as du 2D. Ah, mais il y a du tacle. Tu pourrais peut-être virer ce tacle là. Et avec ce 2D là, j'ai ramassé la balle si elle tombe. Alors, comment tu gères ça? Ok, déjà lui tu le vis. Ok. Ça c'est bien joué. Ça peut permettre d'éviter de faire une esquive. Donc il prend les blocs. Il se rapproche du centre. Il se rapproche de qui est dangereux. Bloc à 1D. Il est toujours en distance d'aller marquer. Donc il fait bien de ramener par là. Ok, bloc à 2D. Oh, ça va toucher, ça c'est bon. Ok, il prend le blitz avec le bloc 1D, il tombe pas l'esquive. Ah, il le repoussera juste. Là par contre, ça va être un peu chaud. Ok, il allait chercher l'armure. 7 pour 7. Ouais, là ça va claquer par contre. Ça repousse. Putain, encore un. Les gobelins là, ils passent entre les mailles du filet. Ça c'est... Ok. Il va pouvoir faire un petit push-push, il libère son porteur de balles gratuitement. Il a même des blocs supplémentaires en plus pour pouvoir continuer le bashing. Oh, il aurait dû frapper d'abord avec le nain, c'est dommage ça. Là il va frapper, non il va pas frapper avec le nain bloc 1D, je pense qu'il va pas le faire de suite. Ok. Il va venir se mettre en cache par ici je suppose.
Soit. Or là, le problème, c'est que sa cage est marquée. Il ramène le gobelin en répulsion où il veut, là. Il bâche avec le... Oh, le bon bloc à 2 décontre. Heureusement qu'il a blocage, hein. Ça fait le taf. Activation du troll, on repousse et on ouvre le... On ouvre sur ce gobelin là. Ici lui il est marqué, il peut venir le bâcher s'il le souhaite. Et en gros il peut vraiment ouvrir tout le bas s'il le souhaite. Donc, activation du troll. Oh le gros débile qui tique au bon moment. Va falloir qu'il ouvre plutôt ici ça veut dire. Ok, viens marquer là. Ok, qu'est-ce que tu fais? Ok, il joue la sécurité, il va pas jouer le porteur de balle, il va jouer le coin de cage. Il marque son porteur de balle. Bon, il aura comme un bloc à 2D pour se dégager. Il aura toujours un bloc à 2D pour se dégager gratuitement. Il va se faire bâcher l'appui là. Là, je suis pas. Là, moi, j'aurais joué la balle. Hein. J'aurais joué la balle, j'aurais viré ici, l'autre j'aurais forcé à courir par en dessous et chercher le bloc 1D en diagonale. Oh, le bloc à 2D contre double pot, ça met les boules en général. Par contre, là encore une fois, j'aurais pas forcément poursuivi parce que ça fait un bloc d'offert en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça aussi que j'aime bien commenter les matchs de Mark Mate parce qu'on joue de façon singulièrement différente. Et c'est hyper enrichissant de regarder ça. Ok. Donc ouais, là forcément il se fait bâcher avec le centaure, là il va se faire bâcher à 2D, il va libérer son porteur de balle. Ça touche. Il a un bloc ici à 2D sur le gobos. Ça va enfin toucher. Moi je blitzerai là. Perso. Ouais c'est ça, il va blitzer là. Ça va toucher. Ouh le 6 d'armure, la châtaigne. C'est le bon combo ça. Ouais bah, la mort. Hein. Double 6 sur la blessure. Ah ouais, tu utilises son apothicaire sur un gobelin qui est blessé. Qui a un 6 d'armure. Watcha. Ah moi j'aurais gardé pour... En plus t'as 3 en banc. Dont un qui a... Non il a pas de compétence. Discutable je pense. Je pense discutable hein. C'est le bon moment pour le virer comme ça ce gobelin. Alors certes ça peut faire le café de temps en temps pour aller chercher de l'intérieur de cage. Mais pour l'instant tu l'as pas, t'aurais pu l'utiliser là, tu l'as pas utilisé. Putain par contre là le troll il fait pas du bien à l'équipe hein. Ok, il vient marquer le porteur de balle. Il va tenter l'esquive ici peut-être. Esquive bloc. Avec quelques GFI je pense que ça passerait hein. Alors tu le marques. Pourquoi pas? Mais putain, ouais. En fait, c'est le même problème que moi j'ai avec les bas-fonds. J'ai du mal à les jouer parce que les armures sont légères. Et t'es un peu bâchi quand même. Quoi, t'as 2-3 arguments pour bâcher. Mais ça force à coller. Ou l'esquive qui passe. Ouh, ça touche, c'est bon ça. Moi j'aurais essayé de le garder sous contrôle au gobelin, je l'aurais collé à mon gobelin pour le coup. Le ramassage est un succès. Bon, bonne série de jet de dés là. Ok, le bloc 1D avec compétence sur pas de compétence, ça c'est bien vu. Il va emmener au surf tranquillou. L'esquive qui passe. Donc tu retiens pas ces deux nains là. En plus, il arrive à libérer l'espace. Tu vas te prendre un bon gros bloc à 2D des familles. Je pense que là, marquer, ça va être compliqué pour la première mi-temps. Parce que là, celui-là, il va se faire mandaler sévère. Hein. Boum, tu lui mets 2 supports. Ok, non, il le prend par au-dessus. Moi, j'aurais mis les 2 supports, j'aurais ramené celui-là. La lutte qui va fonctionner. Il pourra tenter le ramassage s'il le veut avec lui. Ah non, merde, il était marqué. J'ai rien dit. Alors là il va se faire surfer celui-là, lui va se prendre un bloc 1D. Oh
Oh, le GFI qui passe pas. Dernière relance qui saute. Ça, c'est bon, là. Quand il n'y a plus de relance, on se dit, tiens, le moindre jet de dé, on a double 1. Sanctionné. Et c'est la sanction. On peut se tenter le ramassage assez facilement ici. Ok. Donc, il commence par surfer celui-là. Putain, il a deux... j'ai pas fait attention, mais il a quand même... deux nains dehors. Putain, il a pas bien des gobelins en fait, le mec en face. Après, vous allez me dire, ça coûte rien le gobelin, mais 2, 3, 4. Il avait 5 gobelins sur le terrain. Waouh! Ramassage qui passe. On commence à se rapatrier. Premier GFI. Ouh, ça passe. Transmission. Ça fonctionne. Bloc à 2D. Donc encore mieux que l'esquive. Et il va s'envoler vers la victoire. Oh putain, le grid du GFI. Ça fait mal au cœur. Oh putain. Est-ce qu'il peut y aller? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a que lui qui peut y aller. Malheureusement, il est collé. Et ça risque de pas se passer. Ah, ça bâche. Franchement, une blessure de KO face à une équipe de nains ducs avec des bas-fonds, je trouve ça honnête. Hein. C'est loin d'être déconnant. Alors s'il a pas utilisé son blitz, ah oui merde, putain lui aussi il a pas de, c'est vrai qu'il a pas de, comment ça s'appelle, il a pas de relance. Sinon moi j'aurais utilisé mon blitz sur lui pour être sûr de le coucher. Ou bien, super, je l'avais pas vu ce move. Oh, bon au moins tout le monde est mis à la même enseigne là. Je pense que ça va être un peu rageant sur le moment mais au final ça s'équilibre quand même. Il y a un peu de choum de chaque côté, il y a de la malchance de chaque côté. Le tour 8. Là, à la place de truc du nain du chaos, on cherche pas forcément à y jouer la balle, de toute façon c'est joué. Mais par contre, on en fout un au sol, on piétine. Il y a trop de gobelins, on a du remplacement. Faut en foutre un par terre. Hein. Surtout qu'on a un joueur vicieux là, quoi. Je pense que le mec en face l'a fait une erreur. Le fait de pas utiliser son joueur vicieux. Le fait de ne pas prendre les blocs avec compétence. Il aurait dû prendre ce bloc là d'abord. En plus on est en bloc à 2D, il y a eu de grandes chances de le faire tomber. Et il aurait pu piétiner avec le joueur vicieux, s'il le souhaitait. Et c'est vrai que les bas-fonds quand ils perdent leur troll, ils perdent comme un lourd argument au centre du terrain. Ça se joue mais c'est compliqué. Ouh, la passe qui est bonne. Bon, ok, pas la réception, donc il n'y aura pas le point d'XP. Et ça va être la mi-temps. Les KO qui reviennent, ok, soit. Donc là, ça va être au tour de Vietlord de faire une défense hors pair. Ok, ça va jouer physique, bizarrement. Ouais, les hobgoblins sont sortis là. Il utilise ses nains en attaque et en défense, il utilise les hobgoblins, à mon avis, pour la mobilité. C'est pas con. C'est vraiment pas con. C'est original, c'est une façon de jouer. La balle peut être ramassable par le blitzer. Moi, c'est le premier truc que je regarde. C'est est-ce que la balle en tombant ici, elle est ramassable? Et là, c'est le cas. Oh. Ok, on a Papix qui sort malheureusement. Ok. Il vient coller ici. Il va venir blitzer le gob. Bien joué. Et ça touche.
Essaye de virer les petites armures, gagner la supériorité numérique, c'est ce qu'il faut faire. L'armure qui tient, ça va pas faire de mal ça. Ouh, le ramassage sur un 4 de force, ça, ça fait plaisir. Il vient marquer. Il se prend le bloc à un dé sans compétence. Il a des couilles. Oh non, la blessure sur Crusher. Ah là, l'apothicaire là. Je pense que l'amorce du gobelin, moi je l'aurais laissé passer. La régénération. C'est bon ça. Bon, ça va faire chier parce que l'autre il va pouvoir dérouler, mais. Mais bon. Il y a une chance pour que ça revienne. Pour faire un OTD, mine de rien. Là, il a tous les ingrédients pour faire l'OTD. Hein. Il a deux personnes. Par contre, sortir des blessures sur les nains, ça, ça fait plaisir. C'est ça qu'on aime voir. Ça colle. Ça repousse. Il va offrir très peu de blocs à son adversaire. C'est très très bien. Ok, il offrira ce bloc là, c'est tout. Ça touche. Il poursuit, comme ça son gobelin va être free. Ah, le tacle sur l'esquive, ça marche moins bien tout de suite. Il relancera pas. Je l'aurais pas relancé non plus, je pense que c'était une bonne décision. Bon, le chaos qui sanctionne, ça n'y peut pas grand chose. Donc là il commence à avancer, il colle. Il vient blitzer. C'est vrai que ton lanceur, même s'il a que 6 de mouvement, tiens, j'avais pas vu qu'il avait que 6 de mouvement d'ailleurs. Il fait peur, hein. La précision et le bras. Et tous les tests de réception ou de ramassage. Ouais, ça t'en fait un bon petit elf. Hein. Et là, on a le rouleau compresseur nain du chaos qui se met en place. Viens chercher mon 4 de force. Viens te coller à mes tacles blocs. Je t'attends. Et là, le problème, c'est que même avec sa corne, ça passerait pas. Le double tête corne, pour l'instant, tu m'en avais parlé. Je suis pas méga jouasse avec ça. Ok, le blitz ici. Ah, dommage. Ouais, il va claquer l'arlance pour pouvoir se déplacer quand même. Je suppose apporter un support là. Ouais, il va couper les supports, il va prendre le bloc à 2D, il va libérer son gobelin et son gobelin qui va se rapprocher du jeu de balle. Ok, il marque les 100 compétences avec les gobelins, ça me paraît bien. Il fait le front, il va tenter de sortir de là, je suppose. Ouais, c'est bien joué. Donc là, ouais, ça peut valoir le coup d'essayer de reprendre le centre du terrain. Ça lui permettrait de packer un peu plus ses effectifs parce que c'est bien connu, hein, les nains ont quand même un petit manque de mobilité. Hein, on parlera pas d'attaque de leurs jambes. Ah, Mortar qui sort. C'est pas de bol ça. Après là, le blitz avec la châtaigne, ça fait mal. La châtaigne qui a tiqué d'ailleurs. Ok, il vient protéger son porteur de balles. Il multiplie le front. Le gobelin qui reste debout, hein, pas de surprise là-dessus. Il a porté support, il y a du bloc A2D disponible sur le blitzer. Il repoussera juste. Il va poursuivre normalement. Ouais, c'est ça, il se libère un nain comme ça. Ok, bloc A2D là. Même je dirais bloc A2D avec lui. Puf. Alors s'il veut optimiser les blocs, bloc A2D. Il se libère ce gobelin là. S'il veut pas forcément optimiser les blocs, il fait un bloc A2D ici. Et il se libère son blitzer. Pour aller, je sais pas, chercher un coin de cache par exemple. Donc il va choisir de libérer le blitzer. Ah, ça fait mal ces jets de dés là. Enfin, que je regarde, j'ai pas l'impression que ce soit trop aberrant. Il y a quelques relances qu'on souhaitait, mais pas tant que ça. Sur toute la première mi-temps.
Ok, donc il vient chercher un coin de cage. Donc ça, c'est une bonne décision ici. Il va pouvoir coller le porteur de balle. Il va se tenter les esquives. Ok, il va venir marquer le reste. L'esquive d'elfe qui passe plutôt bien. Et il vient se placer en défense. L'esquive qui passe là, ça fait plaisir. Et il vient pas se coller pour éviter d'offrir trop de bâches. Ah bah ouais, là, la... Oh putain. La boule de feu qui a été efficace là quand même. Hein. Deux tiers de réussite. C'est honnête, hein. Avec la sortie, avec une sortie de terrain en plus. Là ça va être vite vu. Ça va aller la relance. Il l'allonge, il va pouvoir commencer à courir. Il va pouvoir venir marquer avec son nain. Le hobgoblin va pouvoir se mettre en poursuite derrière pour protéger. Et lui, je le rapprocherai quand même de la zone d'action. Donc ça bâche à 2 dés. Ça ne touchera pas. Donc il va venir marquer là. Ça, c'est raisonnable. Hein. Somme toute raisonnable. Même s'il a... Ah, là, il esquive un peu moins facile. 4, 5, 6, 7, 8. Une esquive, deux esquives, un GFI, bloc à 2 décontres. S'il arrive à trouver une esquive ici, du genre avec lui, il vient apporter un support supplémentaire, il peut libérer lui. Ok, l'esquive passe. Deux relances, hein. Ok, le GFI qui est bon. Il peut aller chercher un bloc à 1 dé s'il le souhaite. Ah, la sanction, la relance qui va sauter normalement. Pas déconner. Ok, ça fonctionne. Il prend le bloc. J'ai pas vu que c'était un blitz. Il prend le bloc. Voilà. La balle est au sol. On va en mettre un en position d'aller marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonne défense de la bonne défense hein. Ça c'est un peu le problème que j'ai rencontré moi avec les nains du chaos. C'est l'équipe à 2 vitesses. On a de la mobilité sur les centaures, les gobelins. On a l'épine dorsale, la colonne vertébrale de l'équipe qui réside dans les nains hein, quand même, qui lui permet d'avoir son aspect vraiment très très bashi. Oh, le double crâne. Ah, ça a compensé le crâne bloc qu'a eu Vietlord il y a quelques tours. Donc ouais, ça s'équilibre pas trop mal tout ça. Hein. Ça touche. Jean-Michel qui tombera. Erreur de l'adversaire. Il prend son bloc à 2 dés, il n'a pas besoin de support. Il l'envoie tout droit. Et il met un nain de l'autre côté, comme ça en fait là, le gobelin il a juste à faire une petite esquive sur le côté pour sortir. Que s'il avait placé différemment, il n'aurait pas retenu 3 personnes juste pour coller un flanc qui change rien à l'esquive de notre gobelin. Donc bon. Erreur de l'adversaire, j'aurais bloqué avec l'autre. Alors erreur, je dis ça de façon très présomptueuse hein. Mais là déjà où j'aurais pas poursuivi. Le but aurait été de marquer lui. Ou de blitzer lui tout simplement. Ok, vous utilisez le blitz là. Il va juste repousser. Il reste sur place. Ouais, là j'aurais pas fait les blocs dans ce sens là. J'aurais libéré le centaure pour aller marquer ici. Ou alors je me serais démerdé pour que le gobelin puisse passer. Ici, là, on a parlé de cette petite erreur. On va voir si Vietlord arrive à légère. Bloc à 2 décontres. Et ça passe. Je crois que c'est scandaleux. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est scandaleux. 3 plus, 4 plus, y a rien d'aberrant. 3 plus, 2 plus, y a rien d'aberrant. 2 plus de ramassage. Il va nous tenter un missile, là, je pense. Xebus qui fait la passe. La réception, putain c'est bon ça. Passe à 5+. Il nous a rentré une petite bombe des familles. La bombe là clairement qui va gagner le match hein. D'ailleurs j'ai même pas regardé. Réception à 3+. Il a fait un 5. Donc juste avec une seule personne pour le marquer ça serait passé. Et moi je l'aurais blitzé avec le centaure. Bah c'est comme ça. Ça aurait pas forcément changé fondamentalement
l'action. Il le blitz enfin. Il relance. Et il prend la double mise au sol. Logique. Est-ce qu'il va réussir à le retenir suffisamment longtemps? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Parce que là, c'est chaud. Hein. Non, il peut pas marquer en un tour. Il va falloir qu'il s'occupe de lui. Il n'y a plus de relance d'aucun côté. Là, le moindre jet de dé, il y a les fesses qui se serrent. Là. Ça passe. Là, faut espérer réussir à rester debout. Yes. Là, il va venir coller normalement. Là, il va pouvoir bâcher s'il le souhaite. Là, il peut bâcher s'il le souhaite aussi. Et le blitz va venir ici. Il prend son bloc à 2D sans compétence. Bah, de toute façon, il n'y a pas de compétence qui était collée, j'ai rien dit. Mais dans ce cas-là, moi j'aurais fait ce bloc-là en premier. Parce que là, s'il faisait une double mise au sol ici, ça lui servait à rien et son tour s'arrêtait. Mais une double mise au sol ici, ça pouvait lui faire son tour. Ah, malheureusement, ça ne va pas suffire. Surtout que là, il y a la double tête. Donc on a notre gobelin qui va pouvoir s'échapper assez facilement. Et avec l'esquive, ouais, d'accord. Ça va être injouable. Et c'est parti. Putain, GG Vietlord. GG. La défense est passée. La bombe a clairement fait le taf. Grosse prise de risque de ta part qui a été concluante. Donc t'as vraiment renversé la vapeur là. Ça fait plaisir. Puis sinon t'aurais été stuck avec la balle. Ouf, putain la vache. Les KO qui reviennent, ça fait plaisir. T'aurais été bloqué avec la balle par ici à peu près. Et là ça aurait été une autre paire de manches. Donc là forcément le petit plaçage en défense. Ok, il a eu un surprise. Il a pas eu de retour en arrière malheureusement pour lui. Peut-être tenter le push-push. Non, il le tente pas. Ok, il va juste prendre des bâches. Il aurait pu peut-être tenter un autre TD. Ok, il prend le XP, c'est déjà ça. C'est vrai que quand on joue contre une équipe de Goblin, qu'on perd 1-0, mais qu'à côté on lui met 10 blessures, qu'on a 2 ou 3 passages de niveau sur des nains, ça va. Sincèrement, ça va. Ok, ça fracasse. Une personne de plus, bloc, et après il pourra même lui mettre un blitz. Ça passera pas, donc il va pouvoir lui mettre un petit blitz. Ok, non, il préfère jouer sur le point d'XP de passe. La passe est un succès. Pas la réception, donc il perdra son blitz. Parfait. Et je pense que la Vietlord, tu vas conclure le match là-dessus. Moi, c'est ce que je ferai d'après, s'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ah, tu veux quand même te tenter le petit taquet dans les dents. Le petit taquet sur le nain. Le GFI qui passe, ça couche, il poursuit. Et il a un bloc supplémentaire avec le troll. Sur le centaure. Non, il prend un nain. J'aurais pris le centaure, il n'y a pas de compétence dessus. Enfin, ça change pas. Quoi qu'il ait, si, il aurait pu le coucher le centaure au final. Parce qu'il avait fait un double mise au sol que sur le nain ça fonctionnait pas. Ouf, passage de niveau ici, on va peut-être avoir la première griffe qui va apparaître chez les nains. Et repassage de niveau sur Sitnag. Je vais voir les stats. Pour 54. Waouh, 20 de différence. T'as fait 40% de réussite en plus que d'échecs sur les jets de dés simples. Sachant si on considère les 1 et les 2 comme des échecs, parce que t'as des. La plupart de tes caractéristiques sont humaines. Et pareil pour les 5-6. La vache. T'as été en réussite là-dessus. Et au niveau des blocs. Ex aequo. Sachant que quelques-uns de ceux-là sont des réussites. Mais bon, les GD ont été équilibrés quand même, mine de rien. 18-18. Ici, t'en as 27. T'as eu beaucoup de push quand même. Hein. Et en face. Après, c'est des nains. C'est pas forcément des échecs, ça.
Relance, relance. Ça, c'était une réussite. Ouais, ça, c'est parce qu'il voulait relancer. C'est parce qu'il voulait relancer. Ça, c'est parce que c'était un échec. Donc, il a claqué 3 relances sur du bashing. Puis ici. Une relance, oui. Après, bloc à 1D, j'ai envie de dire, hein. Relance parce que c'était un échec pour toi. Ok, 3 relances. Donc, au final, t'as claqué autant de relances que ton adversaire. Malgré ces GD là. Bon, ok, bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop dur dans le commentaire. J'aime bien cette façon de jouer. Surtout la passe à la fin qui a vraiment fait le taf. Ça, c'est le genre de truc risqué que la plupart des joueurs ont tendance à pas faire parce que ils restent sur des stratégies vachement plus standard, on va dire ça comme ça. Et c'est des prises de risque qui peuvent faire la différence. Moi, ça m'était arrivé contre un match contre des Saurus, il pleuvait. Et c'est un skink qui m'a foutu une bombe dans la tronche. S'il réussissait pas, la balle était au sol, il pouvait quand même la ramasser. Et s'il la réussissait, il a passé un autre skink qui avait une mobilité de ouf. Et moi, j'étais au chou, hein, direct. Il m'a mis sur les fraises direct. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt à tous. Allez, bye bye.